Bonsoir Pascal. Bonsoir. C'est Mohamed. Assez spécial. Max, ça s'écrit M-A, accent circonflexe, A, tréma, K. Vous, nous qui sortons d'un débat sur l'orthographe, donc groupe de jazz, l'un des plus actifs et avant-gardistes de Belgique. Oui, alors ils sont très actifs sur la scène bruxelloise, mais ils sont aussi très actifs en Afrique. Mac a créé par exemple une école de musique au Burkina Faso, ou bien un spectacle de vaudou jazz au Bénin. Et donc ils fêtent leurs 20 ans, 20 ans de création complètement folle, vous allez le voir. Ils fêtent cet anniversaire en grande pompe à Bruxelles, mais aussi à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles, et nous les avons rencontrés juste avant. Regardez. Pour fêter ses 20 ans, le groupe de jazz belge Mac s'est élargi sur scène. Ils sont passés de 4 à 16. C'est un esprit d'un petit groupe, mais dans un grand groupe. Donc ce que je vais expliquer, c'est que par exemple, dans un orchestre symphonique, tout le monde doit avoir sa partition et on doit suivre un chef et on doit bien s'y tenir. Tandis qu'ici, c'est comme si on avait pris plein de solistes. Ça donne une liberté incroyable parce que dans un moment, il peut se passer plein de choses. Et donc ça va vraiment dans le sens de l'improvisation, le moment. Et donc chaque concert est vraiment unique. J'entends aussi que Mac multiplie les projets en Afrique, notamment au Burkina Faso. On a créé un lieu de rencontre, une école, je peux dire, de ventistes. Alors les ventistes, c'est ceux qui font du vent, donc la trompette, trombone, tuba, saxophone. Et le vent dormait, j'utilise un peu leur façon de parler, mais dans les années 60-70, il y avait pas mal de ventistes. Et puis ça s'est un peu éteint. Alors, la richesse musicale est monstrueuse là-bas. Les musiques traditionnelles, mais aussi tradi modernes, comme ils disent, avec tous les instruments traditionnels mélangés aux instruments plus modernes. Mais il manque de vent. Donc on recrée un peu cette dynamique. Et c'est vrai que ça réveille un petit espoir. Les musiciens belges ont aussi improvisé avec des artistes du Maroc, d'Afrique du Sud, du Congo, du Mali et du Bénin. Et Pascal, on l'évoquait il y a quelques instants, ce sommet entre la France et la Grande-Bretagne, Theresa May qui reçoit Emmanuel Macron, alors il y a des dossiers sérieux, épineux, sensibles, la crise migratoire, mais il y a aussi un volet culturel, dites-nous. Oui, alors justement, c'est la diplomatie, c'est un bel exemple de diplomatie culturelle, et pour faire avancer ces dossiers épineux très importants, comme les migrants par exemple, eh bien le président français Emmanuel Macron a décidé de faire un beau cadeau aux Anglais, parce que les Britanniques, ça fait des années qu'ils demandent aux Français de leur prêter la tapisserie de Bayeux. Alors qu'est-ce que c'est la tapisserie de Bayeux ? Eh bien, c'est 70 mètres de broderie qui raconte l'invasion de l'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. La broderie date du XIe siècle, elle n'est jamais sortie de France. Et donc voilà, grâce à ce prêt, elle va traverser la Manche, mais pas tout de suite, je vous rassure, d'ici 5 ans. Voilà pour ce geste diplomatico. Eh bien, les temps changent entre la Grande-Bretagne et la France. C'est l'amitié, c'est l'entente parfaite. Ça se réchauffe. C'était demander le programme. Merci beaucoup, Pascal. À Merci très bientôt. À vous. Merci. Sur le plateau de 64 minutes, on va maintenant.